existe encore. Serre-moi encore plus fort. Bien sûr, ce n'est pas la seule, ce n'est pas le poilbeuse de l'autre. C'est bien joli pour demain. Göttingen, Göttingen, pas de paix, pas de rengaine, qui se lamente et qui se donne. It's
la force qui me parle. Tu m'as laissé les pages d'un roman qui chaque nuit s'envole. Tu m'as laissé tomber sur le larme, tomber sur ses os. Tu m'as laissé comme un bateau au milieu des roues. Tu m'as laissé. Facebook, j'aimerais mourir un jour. Bonjour et bon dimanche. Ce matin, on va parler de la gentillesse. Oui, c'est dimanche. Moi, j'ai porté mon chapelet. Sadia. Mon chapelet. Comment on fait ça hier? Elle a encore dit quoi? Dites à la folle là que elle va régler ça sur place. Elle va lui demander ce qu'elle me fait, non. Elle va faire le coming out à Facebook. Est-ce que c'est un problème? Moi, je suis là, à Gogodi. Je l'attends au tournant. Est-ce que pour moi, tu es souvent? Est-ce que ma part, tu es souvent? Si elle veut continuer, elle continue. Moi, je dis que de temps en temps, dans mes vidéos, par hasard, comme ça, il veut prononcer ton nom. Je vais y affiner avec elle. Donc, de temps en temps, je veux penser à elle. Si elle s'assoit encore sur moi, vrai, c'est là où on fait les programmes. Dans ce qu'elle est sûr, c'est ça. Mais c'est ma personne. C'est notre lapin. Parce que tout le monde peut tuer les lapins. Même un enfant arrête les lapins, appuie sur le lapin. C'est mon lapin là-bas. Moi, je l'appelle ma lapin dans mon zoo. Donc, dans la vie, c'est comme ça. La gentillesse, c'est quoi? La gentillesse, pour moi, on va parler de la gentillesse. La gentillesse, pour moi, c'est déjà un état d'esprit que tu dois déjà avoir un bon cœur pour être gentil. Parce que il y a une gentillesse hypocrite. C'est-à-dire que quelqu'un fait semblant d'être gentil avec toi et derrière, te pique. Dès que tu pars, aka. Quelqu'un vient de manger chez toi. Aka, j'ai même mangé quoi? J'ai même encore faim. Ah. Mais il y avait la nourriture. Pourquoi tu n'as pas pris? Même pour garder un peu pour aller manger après. C'est pour ça que moi, pour ne pas être hypocrite, quand il y a trop bu, ça n'a rien. Je peux grignoter. Mais je prends ma nourriture, j'amène chez moi, je mange après. Parce qu'il ne faut pas aller dans les deuils, les mariages, les anniversaires, ça, uniquement pour montrer que tu as aussi mangé. Non. Il faut toujours avoir un petit plastique. Ma fille, viens. Est-ce que tu peux me prendre ça? Tu me mets dans un petit truc là. Ah.
Parce qu'on ne mange pas parce qu'on veut manger. On mange quand on a faim. On mange quand on a faim. On ne mange pas parce que tu vois les gens manger, tu manges. Moi, c'est comme ça. Et quand je sais que je m'en vais là où je sais que j'ai faim, je veux manger. Et moi, j'adore que quand j'arrive, je trouve que tout est déjà en place. C'est-à-dire que la nourriture est là. Je mange. Les histoires là que je vais encore m'asseoir là, attendre une heure de temps là, pour boire le vin va remplir le ventre. Et après, je n'aurai pas faim. Et que je vais me plaindre. Je dois me plaindre. Mais, je reste tranquille. Être gentil déjà, c'est un état d'esprit. Être gentil, c'est de tendre la main, sans rien attendre en retour. C'est d'ouvrir sa porte. C'est d'aider les gens. Comme vous pouvez les aider, à votre niveau. On dit que, vous me connaissez, depuis des années, moi, quand j'ai un sac, moi, je porte que les sacs là. Et que moi, je change les sacs. Moi, c'est mon sac ici. Partout où je pars, je porte mon crocodile, on part. Je ne change pas mon sac. Je change les sacs uniquement quand je vais dans les soirées ou dans j'ai des petits sacs de sortie. En dehors de ça, je traîne avec mon sac ici. Jusqu'à que ça ne va plus marcher là. Ça va se trouver partout que je vais jeter. Oui. Moi, je suis gentil avec mon sac. Et mon sac est gentil avec moi. Soyez gentil. Ne soyez pas aigri dans la vie. C'est moi qui vous dis. La gentillesse ouvre les portes. La gentillesse fait que quand tu entres là où les gens, tout le monde aime te voir. Moi, je suis souvent étonné des gens quand tu dis qu'on te déteste. Mais quand j'arrive quelque part, les gens, notre veuve, malgré que je ne suis plus Nyanga comme avant, les gens me connaissent toujours. Notre veuve. La gentillesse, quand les gens me saluent, quand les gens m'embrassent, ça me fait du bien. Voilà. Je suis contente. Hier, yeah, n'est-ce pas, j'étais là-bas, à Château où j'avais mes jambes. J'ai mangé, j'ai bu, après je n'ai pas mangé. J'ai fait des ailes de poulet, c'est ici. Quand le jour où j'aurai faim, je m'en vais seulement couiller. Je rechauffe mes ailes de poulet, je mange là, parce que pour l'instant, j'ai plutôt envie de trop manger. Je dois maigrir, parce que je dois être belle. J'ai plutôt du poids. La gentillesse. Soyez toujours gentil avec les gens. Soyez gentil uniquement avec les gens qui sont gentils avec vous. Quand une personne n'est pas gentille avec toi, montre-lui ton visage. C'est comme ça. Arrêtez de faire que tu n'es pas une personne, mais tu avais la personne malgré quoi. Vous croyez que moi, je vais aller boire mon vin avec une personne que je sais que la personne a pas me fait des suspicions de poison. C'est ça qui nous tue. Et on n'embrasse pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui nous aime. C'est pour ça que je vous ai dit que quoi. Moi, je suis moi seul dans mon coin. Les voilà. Les mêmes gens. On a dit qu'on a fait qu'on a fait que. Je ne dis pas que je suis mieux. Mais j'ai réfléchi. C'est pour ça que je dis que c'est zéro paix. Parce qu'il n'y a pas de paix à Meta. Comme vous voyez là. Aucune paix. On m'a accusé de beaucoup de choses ici. Wow, là, je vais faire. Tout le monde fait la même. Montre la même chose que moi. Mais dès que moi je monte, boum, ça tourne que c'est moi. Et quand Dieu va toucher ces gens-là. Les vérités sortent. Les voilà aujourd'hui. Vous faites quoi avec les gens comme les Monica? Vous faites quoi avec les gens? Vous voyez avec eux? Moi, j'ai déjà dit que Monica et moi, le jour que je vais la rencontrer ici à Paris, parce qu'elle m'avait promis qu'elle ne va plus jamais m'insulter. Mais elle m'a insulté. Je lui ai promis que dès que je la vois, on bagarre. Moi, je bagarre avec elle. Même si elle me tape, mais je veux la marquer. Il y a l'autre qui est au Cameroun qu'on appelle Mbopi. Mbopi, comme j'ai dit. On dit que oh, tu parles. Trafic d'influence. Je n'ai pas de trafic d'influence. Hein. Parce que j'en ai marre que les petits énigmes comme ça, la basse cour, se lèvent pour insulter les gens pour rien. Toi, disons, on est star. Non. Je suis arrivé à Facebook, à Meta. Pas en insultant les gens. Je mettais mes photos matin, midi et soir. C'est comme ça qu'on m'a repéré, on m'a insulté ici, avec ma maison, mes forêts. Et on m'a fait ça dur. J'ai demandé que mais. Les gens disaient que mais, c'est pas toi qu'on insulte là-bas. Ils ne répondaient même pas. Je faisais comme si je n'entends pas, après je m'en foutais. Je suis une victime des réseaux sociaux. La catégorie, on voit ta photo qui est posée là. On choisit que c'est toi qu'on va attaquer. Ça s'est passé comme ça avec moi. Mais oui. Moi, je suis pas venu comme les pipis. Les pipis arrivent avec les réseaux sociaux pour insulter leur soeur pour être star. Moi, ça arrive avec les réseaux sociaux
Parce que Michel Sobal avait payé pour. Il avait promis avec un cancan. Et comme elle-même ne pouvait pas venir bavarder, c'est comme ça que ça arrive en insultant quelqu'un dans les réseaux sociaux. Parce que elles arrivent toujours à faire que. Parce qu'on a dit que, parce qu'on a fait que. Une comme moi, rien. J'étais neutre. I am the neutre. Mais Waros. I am the neutre. On m'a tué. C'est là que je parle. Mais je reste jusqu'aujourd'hui. C'est tout. J'étais comme vous. Quand vous publiez vos photos belles, quand vous êtes belles dans vos photos, quand vous publiez vos petites vidéos et tout, j'étais comme ça. Je ne connaissais pas ce monde-là, je ne les connaissais pas. Ah oui. Moi, je suis arrivé à Facebook comme ça. On m'a choisi. Parce qu'il fallait bien dans un monde de tourmente, de ténèbres là, de Sodome et Gomorrhe là, il fallait bien qu'on mette, on ajoute une pauvre misérable veuve dedans. Je m'appelais veuve. C'est elle qui me donne le nom, hein. Veuve heureuse pour se moquer de moi. J'ai accepté, non. On part ensemble. Donc, elle attend les inepties à Facebook. La seule personne qui a fabriqué tout ce fond, c'est quelqu'un. Elle ne m'a jamais fabriqué. Enfin, bref. Je vous dis, c'est manqué. Soyez toujours humble et gentil. Et souffrez en silence. Me voici ici. J'ai ma tour Eiffel. Qu'est-ce que j'ai une belle vie. Une belle vue. Il y a certaines dates, vous vous réveillez le matin, vous tombez devant le mur. Parce que votre vue s'arrête là que devant le mur. Alors que ma vue, ça part loin. Très très loin. Et vous, une veuve très heureuse comme moi, une veuve, vous m'insultez chaque jour que j'ai appris. Je vous ai fait quoi? Tu m'insultes, je t'insulte. Mais est-ce que mon parent, en fait, parce que si je ne comprends pas. Est-ce que j'insulte plus que pipi? Vous-même, dites-moi. Mais pourquoi? Vous me collez cette étiquette que c'est moi. Vous m'insultez tous les gens. Ah oui. Donc vous croyez que vous allez vous réveiller. Venez m'insulter ici que pauvre veuve, sale pute, ça. Vous avez tous les noms ici. Les injures nauséabondes. Et je ne vous réponds pas. Non. Donc vous croyez que vous... On est aussi. Eldorado. Même en Eldorado, ce n'est pas comme ça. Chez moi, tu m'insultes. Avant de te bloquer, je te nettoie d'abord. Je déteste tes aïeux. Et puis je finis avec toi. Ça se fait pas. Vous ne connaissez pas une personne. Parfois tu fais ton direct. Les gens sortent de partout pour venir parler pour eux. Ils veulent t'amener dans leur sens. Dès que tu veux parler, oh, tu es une mauvaise personne. Donc toi tu viens m'insulter. Je ne te réponds pas. Donc vous voulez que les pages des gens, vous voulez que moi ne me commande pas. C'est moi qui commande. Et j'ai toujours raison. Oui. Quand tu crées ta page, j'ai créé ça avec toi. C'est mon show, Chakunte. Mon show, Babilike Chakunte, qui m'a ouvert ma page Facebook. En 2012. Oui. Et j'étais déjà. Et mon mari, M. Degremont, m'avait ouvert ma page en 2009. Il m'appelait Valérie Boringo. Après, j'ai laissé Facebook. Je dis que ça ne m'intéresse pas. Comme mon mari et moi, j'étais avec mon ami, j'ai compté. C'est comme ça qu'il me dit que bon, comme tu t'ennuies, restez tous là, regardez la télé. Va sur YouTube. Il m'a créé, c'est lui qui m'a créé Facebook. J'ai compté. C'est comme ça que je suis arrivé à Facebook. Et moi, j'arrive à Facebook. Moi, je n'avais que la marque. Je portais que les belles choses. Les beaux vêtements, abaza, les jolis sacs, abaza. Je ne savais pas que j'étais une cible. Je ne savais pas que j'étais une cible. Une grande cible. On m'a fait ça, tu. On m'a déjà tué depuis. On m'a tué, enterré, déterré, tué. On m'a tué chaque temps. Le mépris, la honte de sagesse, il y a tout eu. Donc vous croyez que je vais accepter que les petits mécréants viennent me chercher les problèmes ici. Donc tu te lèves le matin, tu vois mon visage, ça ne te plaît pas. Le quand tu passes, non. Ah bah oui, il faut bien s'arrêter chez la pauvre misérable veuve pour insulter, pour qu'elle s'énerve. On m'a déjà attribué beaucoup d'histoires que je ne connais pas. Est-ce que j'insulte plus que pipi la rate de l'histoire? Parce que son rampe-rampe a fui.
La terre est restée jusqu'aujourd'hui dans les histoires nauséabondes du Congo, ça des sous-quartiers. On a dit que j'ai fait que, l'autre a dit que, et les génies l'ont fait que. Vous me voyez dans les histoires là, je m'intéresse à ça. Non. Mais je regarde comme tout le monde, je ne dis rien. Moi j'ai mes cibles. J'ai mes cibles. Voilà donc, quand on dit que, elle au Cameroun avait son type là, une personne que je n'ai jamais marqué de respect, qui vient m'insulter. Et les gens, est-ce que bon, les gens sont contents quand elles insultent, hein, elles sont contents. Vous êtes contents de quoi? Et c'est vous qui voulez m'insulter dans votre vie. Et vous êtes contents qu'une sale chose comme ça m'insulte. Elle me connaît. Hein? Quand on a insulté sa fille ici, Dorcas, ta fille ici, maman, tu ne t'es pas levé pour la défendre. Maman, tu as fui Facebook pour que l'histoire se tasse. Parce que tu disais que si je réponds, ça va encore chauffer. Tu m'as déjà fui Facebook. On insulte Namongo, je viens te répondre. On insulte mes enfants, je viens te répondre. Mais toi, tu as fui. Comme par hasard. Elle regarde là-bas, il ne sait pas comment faire pour revenir avec son tribalisme, avec son menton qui est long. On dit, un menton qu'elle a déjà opéré. Il ne sait pas qu'on opère les mentons. Hein. En tout cas, allons-y. Elle vient s'asseoir, tu parles. Il fallait que tu m'insultes. En tout cas. Les gens disent que je suis adepte de Satan, que je prie, que je fais des marabouts. Tu vas me dire, Dorcas, là où je suis parti chez les marabouts. Tu vas me dire là où j'ai échoué dans ma vie. Dorcas, on est dimanche. J'ai conçu avant toi. Montre-nous le derrière de ta maison. Si tu n'as pas un petit. Si tu ne prépares pas là-bas derrière. Ma maison, c'est une maison américaine. Tout est inclus. Toilette, cuisine, chambre. 5 chambres. Ma maison, c'est comme le stade. Même si j'ai conçu dans le terrain de ma grand-mère, mais j'ai quand même conçu. Personne ne m'a donné 5 francs. Moi, la coûte autre chose, c'est que tu veux qu'on tape là. Tu entends, non? Donc, j'ai quand même fait quelque chose à ma famille. Oui. Ils étaient en terre battue. J'ai rendu ça beau. Et quand j'ai les moyens, j'envoie l'argent, on arrange encore. Quand j'ai les moyens, j'envoie, on arrange. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que mon mari me... J'ai dit que... Même si j'ai 20 000 euros sur moi, je veux rester ici. C'est ma maison que les Français m'ont donnée. Je suis une veuve française. Ils s'occupent bien de moi, les Français. Quoi? C'est même qui ça? Quelqu'un se lève comme ça, m'attend. Tu vas revenir, tu parles de l'enfant de Doudou Ngaba. Alors que toi-même, tes enfants, on a déchiré ta première fille qui aux États-Unis, qui danse dans les bars, la pute là. Ici, tu n'as pas pu défendre la pute de fille, mais tu viens défendre qui? Ma nièce. Parce que j'ai dit que un de ses pieds est comme les deux cuisses. Est-ce que c'est faux? J'ai dit quoi de mal? Je m'en fous même si j'ai parlé. Vous incitez les gens à aller détruire les autres. Toi-même, tu ne défends pas ta fille. Une mauviette. Elle suit Facebook, hein? Kounia, kounia. Elle reste 2 mois. On a même oublié celle-là. Elle ne savait pas où aller. Aujourd'hui, elle avait Lolo. Elle déchire sa soeur Lolo. Après, kounia, kounia. Elle part chez quelqu'un comme les problèmes. Elle fuit. On a déchiré. Tu crois que moi, on peut insulter mon enfant ici? Je dis que je veux défendre. Même si j'ai tort, je défends mes enfants. Je défends ma famille. Je défends ma petite fille. Oui. Ça fait mal, les pauvres questions sont dans nos bouches, dans les réseaux sociaux. Mais il faut défendre. Toi, tu as fui. Maintenant, tu vas défendre l'enfant de qui? Doudou Ngaba. L'hypocrisie, hein. Voilà. Hypocrite. Tu vas revenir, c'est sur moi. Hein? Moi, je suis toujours la caracage. Je ne bouge pas. Tu entends? Ta mamie, tu es là-bas. Tout à l'heure, on va aller chercher les ingrédients pour mettre encore dedans. C'était promis. Tu vas voir. Mais c'est comme ça. Donc, on est sur ton enfant, tu ne défends pas ton enfant. Mais tu vas défendre l'enfant du voisin. Hypocrisie. Hein? Troisième femme. C'est normal. Tu ne peux pas être la première femme. Tu seras toi la dernière. Tu as conçu là-bas, non? D'accord. Fais l'erreur. Même s'il daille maintenant, hein, tu vas porter la maison là, amener ça à Baganté. Non. D'abord, les gens vont te chasser.
Tu as fait l'enfant avec lui. Non, les balises. Tes bâtards aussi que tu as là. Tu les as fait avec trois hommes différents. Dorcas. Je ne savais pas. C'est comme ça que vous êtes. Vous venez chez le problème. Et comme ça aussi, les gens aussi viennent derrière me dire que. Tu sais que. Tu es troisième femme. J'ai un quoi? Quelle humiliation. Oh, quelle peine. Ta troisième femme. Ah. Troisième femme, hein? Donc, tu peux être troisième femme chez un quoi? Et tu me parles. Moi, j'ai tué tes premiers. C'est les blancs. Je suis la veuve française, la veuve des blancs. Et je suis tout le monde que j'ai hérité, ça ne fait rien. Vous êtes sûr que les autres ont hérité. Méfiez-vous. Hein. La Bible ne fait pas les moines. Il y a les voilà les qui commencent à qui enculent les petits enfants. Tu peux savoir que quelqu'un qui a la soutane va faire les pédés là. Donc, ne jugez pas les gens que vous ne connaissez pas. J'ai été très simple, très gentil avec toi, Dorcas. Quand on t'a fait ça ici, est-ce que je suis venu là même pour parler? Non. Je n'ai rien dit. Ça m'a fait mal. On veut que tu défends ta propre fille. Tu viens créer la zizanie entre moi et ma soeur et sa fille. Et ma nièce. C'est ma nièce, c'est une quoi? Va parler des enfants qu'on a publiés ici. Va parler de tes enfants. Défends-toi. Quand tu es ça, tu peux. Mais ton long menton, qu'on a déjà opéré 10 fois, tu viens me parler, moi. C'est sûr, comme ça que vous faites pour abîmer les choses. J'en ai rien à foutre. Je parle ce que je veux. Quand une histoire arrive à Facebook, j'ai le droit et le devoir de parler à ma façon. Oui. Vous savez que moi, je ne suis pas très tendre dans mes propos. Et je m'en fous, je m'en moque. Tuez-moi. On écoute la musique française. C'est à quoi qu'il dit?
cinéma. Les Arabes, les mariages m'ont rendu. Chercher les ingrédients pour mettre encore dans notre tour de Dorcas là. Vous allez me sentir passer. On ne peut pas faire Dorcas. Je suis très fâché contre toi. Tu es une femme indigne, une mère indigne. On a déchiré les pieds de tes filles ici là. Tu n'as rien dit. Mais tu viens pour faire le tribalisme. Tu mets la fille de Doudou Ngaba devant. Et pour toi, tu as fui pendant 2 mois. Merde. Tes propres soeurs Bamileke t'ont fini ici. Parce que chez vous là-bas, il n'y a que le Ndop qui vous réunit. Il n'y a que le Ndop qui vous réunit. Parce que entre vous là, c'est là, c'est le roi. N'a pas pour n'ayelele entre vous. Il n'y a que le Ndop qui vous réunit. C'est tout. En dehors du Ndop, il n'y a plus rien. C'est moi qui vous dis. Tu fuis. On a monté ta vie ici. Comment t'envoies l'argent tous les mois? Comment tu commandes? Les étoiles, alors c'était grave. Toujours, on a dit que quoi. Le tout là qui est sorti là, les gens qui ont disent que 2000 machins ou c'est 1000 ou c'est 1 million de vues à faire quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti. C'est venu ici. Moi j'ai parlé. Dès qu'elle a pris ça, elle croit que c'était les dos ou l'argent ou les vues. Est-ce que moi je me plains pour les vues à Facebook? Jamais. Moi les petites vues que j'ai me suffisent. Parce que ça ne sert à rien. Moi je me plains jamais des vues. Pourquoi les sacs se pèsent comme ça? Il y a même quoi dedans? Je savais. Les arachides. Les cacahuètes. Maman m'a donné ça hier. Ça, c'est le chargeur qui charge l'iPhone. Et mais ça. Merci, ma personne. On va mettre ça. On va cacher ça quelque part. Heureusement que personne ne vient plus. Sinon, je cache même plus mes choses. Eh, mon demi-maïs. Tout à l'heure, je vais t'assassiner. Parce que dans mon sac, il y a tout. Il y a le couteau parce que je dois couper les fleurs. On va chercher les fleurs, on va acheter les choses au marché. Bon dimanche, moi je m'en vais. Continue Dorcas. Maman, tes propres soeurs babillées t'ont tué ici. J'ai parlé. Toi tu viens m'insulter, il fallait que tu veux m'insulter. Bon, il faut exagérer, se réveiller le matin et insulter les gens. Donc je me réveille le matin pour insulter les gens pour rien. Donc toi, là où tu es chrétien, la troisième femme là-bas, là, tu es parti construire la maison. Pourquoi on t'épouse là? On ne t'a jamais épousé. Tu crois que moi, j'ai ton temps. Méta, c'est méta. Il y a le buzz parfois. Parfois, il n'y a pas de buzz. Tu as très mal fait. Tu n'as pas le droit d'insulter mes enfants. Tu parles de mes enfants. Tu les connais où? Voilà ta propre fille qu'on a montré. Il y a les vidéos. Est-ce que sa fille danse dans le pool dance? On appelle ça pool dance. Les filles qui dansent dans le poteau. On a filmé, m'envoyé ici. J'essaie. Est-ce que j'ai fait quoi de ça? C'est dans mon téléphone là qui dérange là. Sinon, je peux te publier ça. Tu peux publier ta fille ici. Je mets ça en réel. Que voilà ta fille. N'est-ce pas ta fille est belle? Ton corps est refait. Vrai ou faux? Quand c'est pour pas aller parler des autres, tu ouvres ton camembert. Tu dis là où tu dis avec tu as fait des enfants avec lui. Non. Aucun enfant. Tu as été bordel. Tu n'as pas conçu la maison. Tu n'as pas conçu la baganté. Vous fiez même pourquoi? Hein? Tu n'as pas conçu la maison.
J'ai dit que c'est Jack, troisième femme. Maman, belle. Troisième femme, tu vas être troisième femme chez un quoi, et tu parles. Et tu parles à ta belle soeur. Si moi je pas chez Bamé, que je serai toujours première femme. Dis donc, tu ne m'épouses pas. J'ai dit que tu divorces avec la femme là, je viens m'asseoir. Tu vois qu'il va faire un pénis qui entre ici. Le pénis entre ici, ça entre là. Maman, un belin. Le pénis qui entre partout. Tu es couché, tu es mon nom. Tu sais que Alex, il est là-bas en train de couiller d'autres femmes. Alex, il couille. Mais c'est ce que toi, il vient dans ta chambre peut-être une fois par mois. Il a dit que fais encore Jack, retourne aux États-Unis. Tu n'es pas là-bas parce que tu veux rester là-bas. Tu es là-bas parce que tu as conçu une maison. Tu regrettes. Tu as conçu une maison. La maison là, c'est la maison là qui te retient là-bas. C'est la maison là qui te retient là-bas. Tu n'as pas honte. Tu vas être troisième femme. Tu es en quoi? Tiens! C'est parce que tu as la poisse, hein? Mets ton long menton, tu viens me parler. Troisième femme. Eh bien, donc, il faut être désespéré, hein? On t'appelle désespérado. Il faut être désespéré. Mais de troisième femme. Moi, si je suis troisième femme, hein, il faut que ça soit la famille de Fonso Victor, ou les soins, ou les familles qui ont l'argent. Oui, j'accepte tout de suite. Même si je suis centième, hein, j'accepte. Toi, tu peux être troisième femme chez un pauvre ou quoi? Et tu viens me parler, tu ouvres ta gueule sur moi? J'ai dit que hein, chaque temps, quand je veux penser à toi, je vais m'asseoir sur toi. Tu as commencé, on a commencé vendredi. Donc, on va terminer l'histoire-ci. Maintenant, dans seulement une semaine, on va terminer l'histoire-ci. Vendredi prochain. Tu as osé me parler. Oui. Noblesse, dignité, élégante. Maman, voilà une noblesse, dignité, élégante qui est où? Je l'ai en quoi? T'as pas honte, toi? Dans les Bamikés, ne baisse pas bien. Alors, ils sont bien au lien. Dans les Bamikés, ils ne doivent pas épouser. Tu voulais être absolu. Le truc que Dorcas est uniquement mon pays. Mais voilà ce que vous savez. Parce qu'elle a conçu la maison là. Elle est terrain du gars. C'est vrai. Oui, parce qu'il a fait encore Jack, tu rentres. Il prend la maison. Il épouse une quatrième femme. T'as pas honte? Tu voulais absolument être épousé. Tu l'as rencontré où ce monsieur-là? C'est une prochaine surprise peut-être. Hein? C'est vraiment, vous n'êtes pas compatible. Ah oui. La maison là. Fais Jack, retourne. Si tu es une femme, retourne. De toute façon, tu ne vas pas retourner ici. Tu vas retourner dans les difficultés. Retourne ici, en Europe, ou bien aux États-Unis. Tu dénies que mon Ganda, tu dénies ma nourriture. Tu es qui? Les articles ont monté. Qu'est-ce que je te fais à ce niveau-là? Que tu me parles comme ça. Tu peux me parler autrement que oui, la voiture a mal fait de parler comme ça. La fille de ma. J'allais comprendre. Que d'entrer dans ma vie, je t'ai déjà parlé un jour. Le respect, c'est une tolérance. Mais je ne tolère plus. De toute façon, moi, je suis mal européen. Tu m'as touché. Et j'ai senti ça que, aïe, elle est coutelette. Mais moi, je veux te toucher plus que ça. Je vais arranger mon téléphone, mon petit. Hier, quand je suis parti à Chico, je veux chercher la vidéo là. Je veux publier ta fille ici. Comment elle danse. Avec les tatouages au corps. Avec les fesses refaites. On t'a dit que ma fille danse dans les prudences. Mes enfants travaillent. Elles ont leur vie. Toi, tu vis au Cameroun parce que tu es un grec. Comment tu peux vivre avec un homme? Ton mari, tu dis, quoi? Elle est un quoi? Si tu dis que quoi? Bah, toi, même si c'est. Même si maintenant, tu peux pas dire, maman, chérie, Goko, tu ne peux pas faire ça. Non. Tu appelles ton mari comme quoi? Tu regrettes. C'est la maison là qui te fait rester là-bas. Tente alors, Dorcas. Tente partir en cause des États-Unis, on va voir. Essaye. D'abord, il va d'abord vendre même d'abord ça. Tu peux faire la pute pour aller construire chez un quoi. Tu crois que quoi? Tu as entendu qu'une quoi est partie construire chez les Bamiens qu'un jour il m'a mariage. Tu as compris ça un jour? Jamais. Toi, tu peux construire chez un quoi. Je vais me parler. Nous, on a la maison. Et c'est ça qui est ça. On a tout. Tu as un enfant avec lui, non? Si tu avais des enfants avec lui, elle dit que maman, va rester là-bas, tu contrôles mes enfants. Tu n'as pas d'enfant avec lui. Tu n'as rien. Tu l'aimais, il t'a tellement bien fait l'amour que tu as senti ça dans la nuque. C'est pour ça que tu es là-bas. Vrai ou faux, Dorcas? Tu es là-bas pour ça. Maintenant, tu sais que tu ne sais pas que, oh, Goudou, j'ai jamais tout ma richesse, la bordelerie dans une maison que j'ai conçue. Mon mari et moi, quel mari? Donc, tu étais troisième femme, tu veux me parler? J'ai toujours été première. Il te dit que si maintenant, il faut que j'aille au mari, il faut qu'il soit riche.
une fille. Parce que moi, je n'ai plus. Moi, je ne suis plus à 4 ans, je vais faire les enfants, non. Moi, je suis à 4 ans, je vais rester là, nager, manger, boire. Et on me couille. Et je prends mon avion, je rentre en France. C'est tout. Pas d'accréter là. Tu regardes la maison là. Parce que, hein, au nom de Dieu, Dorcas, tu n'allais pas construire la maison chez le quoi là. Comment tu appelles que quoi? Mon nom, tu. Ce que tu n'as plus avec lui, tu t'en fous. Et c'est alors de quitter le Cameroun, tu reviens aux États-Unis. Regarde-moi ceci. Tu ne peux pas aller construire à 41. Avec les grosses fesses que tu es, avec ton long menton là. Hein? On dit un masque africain. Mais ta bouche. Tu connais, il y a certains masques qui sont des longs mentons. Tu ressembles à un masque. Tu es une femme, toi. Une femme qui ressemble à un homme. Sans compter les poils au visage, tu me parles, moi. Je dis que toi et moi, chaque temps, quand je vais me réveiller, quand je vais penser à toi, je vais m'asseoir sur toi. Regarde-moi ceci. C'est la maison là qui te recherche dans quoi? Comment tu appelles ton mari que quoi? Oui. Tant d'hommes, repars alors si tu ne t'en vas aux États-Unis. Tu penses que quel est l'homme qui peut laisser sa femme, ses enfants, seul? Comment tu le fais là? Il y a deux qui sont mineurs. Mais tu fais quoi là-bas? Il ne pouvait pas accepter que ses enfants vivent seuls, sans leur maman. Ton mari n'a jamais vu l'aéroport. Les mêmes gens comme les Japheth. Vous vivez avec les quoi, mais vous ne donnez pas les papiers. Pourquoi ton mari n'a jamais voyagé? Il ne connaît même pas une Simalé. Mais tu es américaine. Oui, parlons de tes papiers d'américain là. Mais tu es américaine, non? Tu as vu ça comment? Et pourquoi tu ne donnes pas les papiers à ton mari que lui aussi pas un peu voir les mounyengues dans l'avion? Les mêmes gens. En tout cas, nous on est là, on vous regarde. Sache que, comme j'ai promis, chaque temps que je me réveille, chaque temps que je veux penser à toi, je m'assois sur toi. Parce que vous venez chercher la misérable pauvre, celle qui a raté sa vie, celle qui a échoué. Alors que moi, je ne vous cherche pas. Je n'ai jamais manqué de respect. En aucun cas ici. J'ai eu pitié de toi qu'on a lavé ta fille ici. Elle a fait comme les on appelle les animaux là que les mammouths ou ces bêtes-là. Tu es un nyongo. Tu es parti te cacher dans le noir pendant 2 mois. Et tu réapparais en parlant de Bolingo. On t'a dit que quoi? Je suis facile. Je ne suis pas facile. Je ne me laisse pas faire. Maintenant, pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe sur la toile? Voilà votre pipi là qui est là. La télévision est où? Moi, je m'en fous. Je peux faire mon gada quand je veux. Pipi de la télévision est où? Au contraire, c'est tout dans les mêmes bêtises, dans les mêmes histoires. On a dit qu'on a fait que les voix sont parce que c'est leur vie. Et c'est la même vie que tu as. Si tu es une femme d'Orcas, viens, essaye un peu, quitte là-bas, tu prends pas. Parce que si tu avais des enfants avec ce type, tu n'allais pas laisser que. La maman, tu as 3 enfants là-bas aux États-Unis. Tu fais quoi là-bas? Les enfants mineurs font quoi là-bas seuls? Laisse danser nu dans les prudences. Toi, tu es là. Si tu avais fait des enfants avec ce monsieur, il n'allait pas laisser que ses enfants restent seuls là-bas aux États-Unis seuls. Et toi, tu viens rester à côté. Parce que tu n'as pas d'enfant avec lui. Tu n'as même pas d'état civil. Tu n'as rien du tout. Et tu vas me parler. On avait des trois-portes chez toi. Moi, on m'a fait des trois-portes. On s'est mis à genoux avec des fleurs, ça, pour me demander ma main. Tu m'attends. Toi, si. Tu n'es même pas marié. Tu as fait comment pour que tes enfants partent aux États-Unis? Avec quel argent? Dans quel réseau? Prostitution, oui. Prostitution. Dans votre réseau de Madame Fourny. Oui. C'est un réseau qui commence Suisse, Allemagne, Canada, États-Unis. Il n'y a que vous seul. C'est pour ça que vous voyez que nos gens de l'Ouest sont beaucoup ici. Parce que c'est un réseau. Quand tu es un quoi, tu n'entres pas dans le réseau. On ne peut pas voyager. On fait voyager que eux. C'est comme ça. J'ai dit la vérité. Oh, ouais. Tu m'as attaqué. Tu vas me trouver. Mais ouais, moi je m'en vais au marché. Je m'en vais plutôt au marché. Je reviens. Je ne peux pas aller avec le téléphone ici parce que. La batterie, je ne sais pas, je vais changer un papier nouveau tout aussi. Qu'est-ce que quoi? Ou encore bizarre? Moi, je n'ai peur de personne. Oh, vous allez me taper partout. Mais c'est bon quand j'entends comment tu me parles, on dirait que je suis un enfant. C'est-à-dire que tout d'un coup, ma vient m'attacher les mains. Elle me tape. Qu'est-ce que quoi? Je veux me défendre que vous. Bolingo. Tu me connais? Pourquoi mes voix ne sortent pas dans vos bêtises là? Une rate qui est partie épouser un quoi? Ah, mon frère, ma bête.
Oui, Martin. Allô, oui. Allô, oui. Ça va, bonjour, mon frère. Je peux te rappeler tout à l'heure, je m'en vais au marché. Mazoualon, oua. Mazoualon, je vais te dire quelque chose tout à l'heure, je te rappelle. Mm-hmm. C'est mon frère jumeau. Ah, ça sort comme ça sort. Tout le monde a ses problèmes ici. Tu as cherché, tu as trouvé. J'ai cherché même qui. J'ai cherché un candidat. Je vous avais dit que j'ai cherché les problèmes, non? Que je cherche un candidat. J'ai trouvé un bon candidat. Il a un bagnier qui peut épouser un pauvre ou quoi. Troisième femme, sans enfant. Tu es là, tu vas construire chez quoi. Tu veux ta sac, ton clavier sur moi. On va faire ça, je te lâche pas. Mais belle. En tout cas, nous on profite toujours. On est là pour profiter. Aller construire, embellir le pays. Non, on profite du paysage. Abimte. À tout à l'heure, mes waros.